Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je me trouve actuellement au cœur du parc de la Vanoise. Je fais cette vidéo parce que tu es peut-être coach, thérapeute, accompagnateur montagne. Peut-être que tu t'intéresses à l'animation de groupe, au bien-être de tous. Si cette vidéo peut t'apporter quelque chose, je t'invite à l'écouter. Je m'appelle Pierre Pironnet. Je suis à la base spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. J'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Et ce que je voudrais te parler, c'est d'un programme qui s'appelle la relaxation biodynamique. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle relie toutes les techniques que ton corps a besoin. Par exemple, quand tu te retrouves dans une situation de stress, de tension, de peur, d'inquiétude, quand tu passes ta vie à courir du matin au soir avec des systèmes automatisés, eh bien ton corps engendre un mécanisme, une habitude qui fait que tout d'un coup, tu es en tension, tu es en raideur, et tout ça, ça pollue le corps, ça acidifie tes muscles, tes tensions, tes raideurs. Et moi, ce que je voudrais, c'est de montrer comment toi, tu peux apprendre à relâcher tout ça. Je développe depuis une vingtaine d'années l'école de relaxation biodynamique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'art d'apprendre à retrouver cette harmonie, apprendre à relâcher les tensions, parfois dans la nuque, les épaules, le dos, la colonne vertébrale, le bassin. Comment apprendre à mieux respirer, à mieux ventiler et organiser sa respiration pour donner à son corps beaucoup plus de fluidité, de liberté, d'harmonie et d'oxygène. Je vais te montrer ici comment toi tu peux améliorer ton bien-être, mais surtout comment tu peux aider beaucoup de personnes qui se trouvent des fois dans des situations de stress, de tension. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller d'abord découvrir le manuel qui se trouve juste en dessous, qui s'appelle « Les 33 exercices pratiques » pour améliorer ton bien-être. Il est entièrement gratuit. Tu as bien sûr beaucoup de choses dedans. Tu as des dessins, tu as des ouvrages, tu as des photos, tu as tout un ensemble de liens qui te permet aussi d'accéder à des vidéos et des programmes qui sont entièrement gratuits et qui te permettront bien sûr d'accéder à des vrais outils pour toi et surtout mieux connaître au combien ces pratiques pourraient vraiment t'intéresser. Pour en savoir plus sur la relaxation biodynamique, qu'est-ce que c'est ? Dans la pratique des arts martiaux, je me suis intéressé évidemment à beaucoup de choses qui ont permis bien sûr de faire face à mes peurs, à mes inquiétudes, à mon stress, mais plus que ça, à tout ce qui a permis de mieux gérer les situations parfois de tension dans le corps, les difficultés respiratoires et surtout comment retrouver beaucoup plus d'énergie sans mettre d'effort, c'est-à-dire sans aucun effort, simplement en reconnectant le corps, le mouvement et la respiration. On fait ça évidemment avec des pratiques de Qigong, de Tai Chi, mais tu verras que cette pratique va beaucoup plus loin. D'abord, elle aborde tout ce qui concerne les attitudes et les postures qui sont pour moi la base. Ensuite, elle aborde toute cette phase de reconsidération avec le mouvement, la respiration, d'abord au niveau de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale, de la cage thoracique, du diaphragme, de l'ensemble des lombaires, du bassin, des genoux. Et puis, elle va permettre en phase 3 d'aller reconnecter avec le monde interne et le monde périphérique par des mouvements de respiration en mouvement. Et ça, c'est fondamental. Mieux encore, elle t'emmène sur des pratiques au sol où là, tu vas apprendre à relâcher toutes les tensions du dos avec des techniques de remise en mouvement qui vont libérer totalement l'axe dos-colonne vertébrale. Ça va permettre de redynamiser tout le système autonome interne qui passe par le centre de la moelle épinière. Et puis enfin et surtout, ça va permettre de libérer toutes les tensions au niveau des tissus musculaires, articulaires, autour de la colonne vertébrale. Ensuite, et seulement après cela, je vais te montrer comment tu peux apprendre à relâcher. C'est ça qui va te permettre évidemment d'être beaucoup mieux, d'avoir des nuits plus courtes, mais surtout beaucoup plus profondes, et d'apprendre à te relâcher quand le corps en a besoin, car ton corps a besoin chaque nuit de dormir, eh bien, il a besoin d'apprendre à se relâcher. Et c'est ça que je vais te proposer dans l'étape 5. Juste après, je vais te montrer comment on peut reconsidérer le corps, le mouvement, comment on peut lui redonner une autre valeur ajoutée, ce qui te permettra d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus en conscience, et surtout d'ouvrir ton champ des perceptions extracorporelles. Et puis, en phase 7, on réapprendra à réaligner. C'est ce qu'on trouve notamment dans les pratiques de méditation. Comment libérer l'activité cérébrale, ouvrir le champ proprioceptif, comment
rentrer au contact des perceptions, et c'est ce que j'ai fait évidemment dans la montagne, dans la nature, comment je retrouve cet état vibratoire entre moi et l'environnement et comment je me relie à ça. Eh bien, c'est ce que je vais te montrer en partie 7. Alors, ça permet évidemment d'avoir beaucoup plus de centrage, où que tu sois, à ton bureau, à ton travail, mais aussi dans la vie. Et puis, à partir de là, je vais te montrer comment on passe d'une pratique assise méditative à debout, sans aucun effort. Et c'est ce que j'enseigne aux seniors, aux personnes qui ont des difficultés de motricité, à toutes les personnes qui sont en rééducation. Comment retrouver cette capacité à passer du sol à debout sans aucun effort. Et puis enfin, nous aborderons l'étape 9, que j'appelle les Tao dynamiques et respiratoires. C'est ce qui va te permettre de rentrer dans le champ de la communication au niveau mental, émotionnel et physique. C'est surtout ce qui va te permettre de faire cette distanciation dans des situations de stress, de tension, et qui va te permettre d'avoir la juste posture, la juste relation. Ce que je vais te proposer à travers les vidéos, à travers le manuel qui est en dessous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu sais l'utiliser, si tu sais le mettre en pratique dans ta vie, si tu sais l'adapter à ta vie professionnelle, à ta pratique quotidienne, à tes techniques d'accompagnement, je te promets de trouver là de l'or en barre. Ce que tu vas trouver n'existe pas, en tout cas dans cette forme. Je t'invite à aller sur le lien. Si tu veux en savoir plus, deux solutions. La première, tu peux aller sur Internet, tu tapes Pierre Pironet, P-Y-R-O-2-N-E-T, c'est mon nom. Tu tapes Pierre Pironet et tu auras énormément d'informations. Si tu veux aller découvrir mon site, c'est relaxation-bio-dynamique.com ou tout simplement, tu peux m'envoyer un mail à Pironet, P-Y-R-O-2-N-E-T, 38@gmail.com et je te répondrai bien évidemment. Si tu vas sur le lien et sur le document que je te propose avec le livre gratuit, non seulement tu pourras découvrir tout ce qu'on en fait, mais surtout en bas, tu pourras encore une fois accéder aux vidéos gratuites, tu pourras accéder à un webinaire entièrement gratuit, tu pourras accéder à l'ensemble des stages que nous mettons en place au cours de l'année pour tous les particuliers, les professionnels. Et puis aussi, tu pourras trouver dans le site eh bien, un lien avec toute la carte de France et tu verras toutes les personnes que nous avons formées. Tu peux même rentrer en contact avec elle. Voilà, je te propose d'aller découvrir tout cela et je te donnerai plein d'autres informations et tu pourras même, si tu le souhaites, prendre un rendez-vous et nous pourrons échanger tous les deux ensemble en particulier. Voilà, je te souhaite une belle journée. Je t'invite à découvrir ce lieu que je trouve absolument étonnant, énergétisant et surtout un lieu que j'aime retrouver tous les étés. Voilà, je te dis à très vite. Merci à toi et à très bientôt. Belle journée.